Salut, moi c'est Mila et mon animal magique Marfel peut se transformer en tout ce que je veux. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour. J'ai un problème pour lequel j'espérais que vous pourriez m'aider. Ah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voyez-vous, cette partie de la ville a beaucoup d'arbres et de plantes. Mais le reste de la ville pourrait bien en avoir besoin. Peut-être qu'un de vos animaux magiques pourrait aider à transporter des arbres de la forêt vers la ville. Avec l'aide d'Animi, les arbres pourraient marcher jusqu'à la ville eux-mêmes. Super! Maintenant, c'est à toi, Animi. Tu vois tous ces arbres? Ils doivent aller à la ville. Waouh! Peux-tu trouver un bel endroit dans la ville? Elle a besoin de plus d'arbres. Animi a besoin d'un peu de repos. Mais quand il sera reposé, il donnera vie à beaucoup, beaucoup plus d'arbres. Pourquoi n'allez-vous pas voir si tout se passe bien avec les arbres dans la ville? Ouais! Ah, pas dans ma ville! Vous devez bouger, monsieur arbre. Oh! Pas par là! Maintenant, je ne peux plus rentrer à l'intérieur. Quoi? Ah non! Maintenant, je peux plus continuer à construire. Hein? Pas encore. Bonjour, monsieur le maire. Ah, vous êtes là. Cette histoire d'arbre ne marche pas du tout. Oh oh, comment pouvons-nous aider? Pourriez-vous renvoyer tous ces arbres, s'il vous plaît? Bien sûr. Transforme-toi en hélicoptère. Et dis à ton papa d'arrêter d'amener tous les arbres. Animi, arrête de donner vie aux arbres. Qu'est-ce qui ne va pas, Mila? Les arbres causent toutes sortes de problèmes dans la ville. Oups, on va arrêter. Pas dans ma ville. Merci, Mila et Murfel. Merci, Murfel. Maintenant, je peux enfin retourner à l'intérieur. Où sont passés les arbres? Je pense que cette fois, c'était le dernier. Ouais! Nous avons ramené tous les arbres, monsieur le maire. Pas besoin. Celui-là peut rester. Ouf.